Wow! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous sommes de retour, le groupe peut commencer. Nous avons, grâce à Dieu, réussi à régler tous les problèmes que nous avons rencontrés aujourd'hui. C'était vraiment chaud, hein? Mais grâce à Dieu, nous sommes arrivés. Et nous commençons le travail avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Soyez prêts, soyez chaud, parce que nous recommençons le boulot. Et des vidéos vont venir passer par là. Oh, ça arrive de vous surprendre. Ne soyez pas surpris. Soyez tout simplement prêts à se bavarder. Bonjour, mes frères et sœurs. Comment allez-vous? Comment allez-vous? De moi, je suis chaud. Waouh! Quand on parle de parfum, là, ça devient grave. Parce que. Les parfums font partie des rituels. Des rituels. Ça veut dire quoi? Les gens, ils utilisent des parfums pour invoquer les esprits. Ah! Comment ça se fait? Oh, nous, on se parfume matin, midi, soir et tous les jours, on se parfume. Alors, je pose la question, ça, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire de parfum? Lançons la clé, lançons la clé, lançons la sonnette. Il faut qu'on sonne maintenant. Il faut que tout le monde se réveille. Et qu'on arrive à quand même découvrir ce qui est caché derrière tout ça. Et une personne qui a révélé que la plupart des parfums que nous utilisons sont les odeurs des sirènes des eaux. Des sirènes des eaux qui sont en réalité des démons. Et ici, dans cette vidéo, nous allons découvrir les parfums les plus étranges du monde. Vous serez même surpris. Si vous n'êtes pas quoi chaud, soyez prêts. Parce que ce que nous allons vous montrer maintenant. Ça va vous étonner. Regardez ça. Voyez-vous quelque chose? Non, regardez encore. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Bon, on va zoomer. Regardez ici. Waouh! Intéressant. Comment ce truc-là s'appelle-t-il? Comment ça s'appelle, mes frères et sœurs? Comment ça s'appelle? Comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Les gens appellent de l'encens. Et ça? En fait, c'est la même chose. C'est pourquoi? En fait, c'est pour chasser les mauvais esprits. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? À l'intérieur, il y a du parfum. Il y a une odeur. Et on dit que cette odeur va chasser les mauvais esprits. Et regardez ça. Voici un autre parfum qui est là. Et ce parfum s'appelle Parfum Magique. Et sur la bouteille, vous voyez un dessin. Un dessin qui est juste là, comme ça. Et sur ce dessin, il y a encore une petite coupe. Et cette chose qui est en bas là, fait sortir de la fumée de sa bouche. Il y a fumée qui sort de sa bouche. Et ça ressemble fortement à ça. Voyez-vous? Là, on se pose maintenant la question. Pourquoi a-t-il de la fumée sur le truc comme ça? La plupart des temps, c'est ce que se passe en esprit que les gens nous montrent dans la vraie vie. C'est réel. Un parfum de l'encens que les gens utilisent pour appeler les esprits et chasser les mauvais esprits. C'est le même qui sera utilisé pour invoquer les esprits sur les gens, juste là comme ça. Oui, c'est bizarre, hein? Mais c'est réel. Les gens peuvent invoquer les esprits, même les mauvais esprits, juste à partir des parfums. Et c'est bien réel. Regardez même ça. Tu peux me dire que c'est de la blague, c'est juste pour rigoler. Bon, on est plus là, bon, ça va plus. Regardez ça. Ouh! Ce parfum s'appelle tout simplement Huile Adam et Ève. Huile Adam et Ève. Ah, il me semble que c'est de l'huile. Et c'est décrit comme magique. Magique. Ah! La magie, c'est comme la sorcellerie. Ça veut dire qu'en clair, ce n'est pas une bonne chose et ça vient du diable. Et pourquoi les gens veulent-ils absolument que
nous nous approchons à ce mot. Oh, la magie, c'est quelque chose de dangereux. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que la tombe est foutue ici? Nous savons tous que ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden avec Adam et Ève, c'est pas une bonne histoire, c'est pas une bonne affaire. Et de la manière dont ils ont présenté Adam et Ève ici, c'est comme si eux, ils encourageaient même la chose. Ils encourageaient même ce qui s'est passé. Eux, c'est comme s'ils disaient, oh les gars, laissez tomber, c'est une bonne affaire. Ou en réalité, c'est pas une bonne affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui vont toucher à cet objet qu'elle a seront tout simplement en train de prendre part à cette histoire, en train de soutenir cette histoire. C'est comme vous regardez la vidéo et vous cliquez sur j'aime. Parce que vous avez aimé la vidéo, vous avez appris quelque chose. Mais c'est terrible. Ça veut dire que toi qui regardes la vidéo, toi ma soeur, toi mon frère, n'achète pas n'importe quel parfum. Sinon tu achètes le parfum du diable un jour. Regardez ça encore. Oui, Adam et Ève. Avec ce signe des satanistes. Juste comme ça. Et c'est écrit protection. Et je vous dis bien, ce signe-là, c'est un signe des satanistes. Et ils écrivent protection. La protection, elle va venir de qui? Ça va venir de qui? Du serpent, bien entendu. C'est le serpent là qui est venu donner cette chose là à Ève. Après, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Et on parle de protection. Le diable est un menteur. C'est comme si le diable était venu pour protéger Adam et Ève. Il a fait croire qu'ils seraient bien protégés par lui, par ses conseils, par sa sagesse, par sa connaissance ou ses connaissances. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Ne vous laissez plus tromper. Regardez ça. Ce parfum est l'un des parfums les plus mauvais qu'un ex-sataniste qui a témoigné a pu révéler. Cet ex-sataniste nous a révélé que ce parfum est un parfum très utilisé lors des rituels. C'est-à-dire que si vous voulez invoquer les esprits, invoquer les démons, vous venez du slash et puis vous utilisez ce parfum-là avec des incantations, ils savent comment ils le font, avec d'autres produits, et ils invoquent les esprits. Franchement, c'est assez compliqué quand même. Mais ça ne laisse aucun signe apparent. Vous ne pouvez pas savoir que ce parfum peut être utilisé pour faire des trucs bizarres. Mais c'est rien quand même. Nous devons juste croire sans avoir vu. Regardez ça. Là, ce n'est pas caché. C'est même visible. Voici un parfum vraiment étrange. C'est vraiment étrange. Ce parfum honore une sirène. Et ce parfum est dessiné comme si c'était une sirène qui était la bouteille. Quand on nous dit que la plupart des parfums sont les odeurs des sirènes des eaux, c'est maintenant que je commence à comprendre. Et ce parfum s'appelle parfum sirène. Une sirène tout court. Regardez bien ça. Ah! Que savez-vous des sirènes? Savez-vous d'elle? Les gens s'amusent, ils rigolent et ils se disent, oh, les sirènes sont des bonnes personnes, ce sont des personnes tranquilles, qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand Dieu a-t-il créé des fois pour les mettre dans l'eau? C'est une très bonne question, hein? Parfum sirène, c'est un démon. Ça veut dire que sans doute ce parfum a été créé pour honorer une sirène. Une sirène qui est un démon. Et c'est exactement ça ce que ça signifie. Tout ce que ça signifie. Est-ce que c'est étrange? Ça commence à devenir trop étrange de regarder vous-même. C'est assez étonnant. Regardez encore ça. Ce parfum s'appelle juste Diable. 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 Et on voit vraiment un homme, hein. Et juste derrière lui, on voit des créatures bizarres qu'on ne comprend même pas. On ne sait pas si c'est une notion des oiseaux, mais un caïman. C'est assez compliqué quand même, hein.
et c'est écrit diable. Derrière, c'est comme s'il y a une main qui venait l'attraper. Ou que c'est pas positionné, si c'est deux épaules. Mais un parfum qui s'appelle Diable Bleu. Si vous pouvez acheter ce parfum, c'est décidément un parfum mystérieux. C'est l'un des parfums les plus étranges de la planète. Un parfum qui s'appelle Diable Bleu. Le diable, nous savons que c'est le mauvais. C'est censé être l'ennemi de Dieu. Donc, ce parfum va faire quoi? Va tout simplement honorer le diable. Le diable qui est bleu. C'est quand même bizarre. Regardez ça. Ce parfum s'appelle Patchouli Envoûtant. Les petits plaisirs. Patchouli Envoûtant. Donc ce parfum est censé être en train de nous révéler ce qui va nous faire quand nous allons le mettre sur nous. Ce que tu vas me faire quand je vais te mettre sur moi, c'est ce que tu me révèles comme ça. Tu viens de me dire que tu vas m'envoûter. C'est ce que tu veux me dire. Oui, c'est pas ça. C'est ce que tu veux me dire. Donc le parfum même nous parle. Le nom du parfum même parle au consommateur, à ceux-là même qui vont acheter le parfum. Juste pour vous dire que ce parfum-là, c'est vrai, c'est une eau. Mais si vous utilisez le parfum, vous risquez d'être envoûté à un moment donné. Et c'est vous-même qui devez chercher parce que c'est écrit là-dessus. Vous êtes quoi? C'est le parfum le plus étrange de la planète quand même. Regardez encore ça. Vous avez vu ma réaction, comment j'ai sauté. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui m'étonne le plus ici? Si tu as trouvé, écris ça. Si tu as trouvé, écris-le dans la partie commentaire. Où vas-tu? Tellement c'est étrange, mais l'image va rester sur l'écran. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ce papier s'appelle comment? Sex Dizzy World. Ça veut dire quoi? Et quel est-ce que vous soyez anglais? Francophone? Même chinois, vous avez cité ça, mais du sexe. Ah! Qu'est-ce que ce parfum est censé nous dire? C'est quand même très étrange. Ce sont les parfums les plus étranges au monde. C'est pas tout, hein. C'est que vous allez voir même à la fin, vous vous étonnez. Ah! Vous savez que souvent, quand vous mettez un parfum sur vous, les gens qui vous regardent, ou les gens que vous avez traversé même la journée, ils commencent à vous regarder bizarrement. Oui! Et puis vous dit, ah, vous êtes joli. Hein. On n'a pas l'habitude de vous le dire. Vous commencez à vous dire, ah, vous sentez bon. Oh, en réalité, vous ne sentez pas vraiment bon. C'est tout simplement parce qu'ils sont attirés, séduits par vous. Et ce que vous dégagez là, ça les rappelle de cette approcheur. C'est comme le parfum envoûtant. C'est la même chose. Ça envoûte. La chose est là pour envoûter les gens. Et la chose qui accroche, qui maintient les gens de chaînes, c'est le sexe. Donc, ils vont relier cela à ce parfum-là. C'est-à-dire que c'est un esprit. En fait, c'est l'esprit du sexe qui est derrière. Le sexe, c'est un esprit. Le sexe est spirituel. Et c'est l'esprit du sexe là, qui sera positionné dans le parfum. C'est-à-dire que les gens qui ont fait le parfum, ils vont prier dessus, faire les incantations, des prières terribles, juste pour que le parfum ait des effets sur les gens et ait une connotation sexuelle à un moment donné. Regardez ça. Vous voyez ici, sexual, les gens pour dire sexuel. Juste comme ça, sexuel. Comment ça c'est étrange? C'est étrange parce qu'on se pose la question, ça, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Normalement, si tu crées ton parfum, tu peux créer ton parfum, puis tu vas appeler par exemple parfum, je sais pas quoi, parfum Y, ou même parfum Yao, ou même quoi, tu vois. Mais tu fais un parfum et tu mets sexuel. C'est pas tout. On va dire quoi? On va dire que c'est bizarre, c'est étrange. Les gens ne se posent pas cette question. Mais quand vous voyez ça, vous vous posez maintenant la question parce que ce parfum est très connu. C'est un des parfums les plus connus, mais qui savait quand même
terrible. Ça fait peur, mon ami, mes frères, ça fait peur. Regardez. Est-ce que vous avez compris que ce pasteur-là s'appelle poison? Hypnotique poison. Poison hypnotique. Hypnotique poison. Donc c'est une chose qui t'hypnotise d'abord et qui t'empoisonne après. C'est ce que c'est censé signifier. Ou bien vous pensez que les gens ont choisi les noms des pasteurs-là pas au hasard? Ou bien si vous pensez qu'ils ont choisi juste le nom de papa là juste pour blaguer avec nous ou pour blaguer avec vous. C'est ce qui va se passer quand vous allez utiliser le papa comme vous dit en même temps. C'est dit que maintenant même le thème ne se cache plus, hein. Il est même visible, vous pouvez même le voir et même l'appeler par son nom. Mais vous pensez toujours que c'est de la blague parce que dans votre esprit vous pensez qu'il n'existe pas. Ça existe, regardez ça, ce papa s'appelle juste diabolique. Un parfum qui s'appelle diabolique, alors que nous tous on sait que toutes choses diaboliques ne sont pas bonnes. Qui va maintenant l'acheter? Ou de quelle intention les gens ont conçu ce parfum? C'est pourquoi est-ce qu'ils ont conçu ce parfum? On dit l'art du parfum. Et l'art du parfum ici là, c'est diabolique. Elle dit que la connaissance qui a servi à la conception de ce parfum vient du diable. Ça vient du diable, une connaissance qui vient du diable. Exactement comme ce qu'on a vu avec cette histoire de huile, Adam et Ève. Dieu le diable pour donner des connaissances aux humains afin qu'ils puissent créer, réaliser des choses. Des choses incroyables. Incroyables. Et quand les gens fabriquent de ces parfums bizarres qui sont même voués aux démons, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils appellent ces parfums-là du nom de ces démons. Ou ils mettent quand même des choses, des signes sur le parfum pour nous montrer, pour nourrir les démons en fait, quoi. Pour nourrir les démons ou pour nous montrer à nous que effectivement ce parfum est consacré aux démons, donc au diable. Et ceux qui le savent, ceux qui sont les satanistes ou que la connaissance de la chose, il peut juste regarder le parfum et puis vous dire franchement ce parfum là, c'est un parfum terrible. Il faut faire très attention. Et le seul signe qui est de la suite, le seul signe apparent, c'est diabolique. C'est juste un mot. Il y a diable là-dedans. C'est un truc de diable. C'est du sale. Il y a encore une réaction. Ce parfum qui est ici est en forme de tête de mort ou un crâne humain. Et les gens se parfument avec ça. Les gens n'ont pas peur souvent. Hein? Tu vois un truc même un parfum. Ce parfum là, c'est un crâne humain. Et toi, tu veux faire quoi avec? Maintenant, je vais confirmer que effectivement, derrière les parfums se trouve un esprit. Derrière un parfum se trouve un esprit, oh, se trouve un esprit. Et cet esprit-là, ça peut être l'esprit des sirènes, comme on a vu ici, ou encore l'esprit du diable, comme on a vu ici, ou même encore l'esprit de la mort, c'est-à-dire le démon de la mort. Dieu te prend ça pour invoquer des mauvais esprits sur toi. Des esprits qui vont te tuer, qui vont te tuer la vie. C'est exactement ça. Ça peut paraître étrange, ça peut paraître même bizarre. Vous direz même, ah, c'est pas possible, mais non, mais c'est étrange. Si c'était pas étrange, on ne sélectionnerait pas cette image. Abonnez-vous, ne manquez pas nos prochaines vidéos. Regardez encore ici. La même tête. Qui serait-il prêt à se parfumer avec un truc pareil? Quand on lui dit que c'est des parfums qui sont faits pour appeler les esprits, les mauvais esprits, même les démons, c'est maintenant vous comprenez. Et là, ceux qui disent ah! Oh, c'est juste pour rigoler. Mais quand tu vois un truc pareil, là, c'est fait pour rigoler. Regardez ça. Le parfum, dès que tu vois le parfum à distance, déjà tu sais que ce parfum va te procurer un bonheur.
ou le bonheur que tu recherches. Tu sais automatiquement que toi, c'est la mort. Tu vas vers la mort. Tu t'en vas vers ça. Regardez. School and board. C'est-à-dire, tu es carré des eaux. Un parfum pareil. Si tu l'achètes, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu ne sais pas toutes ces jeunes histoires, tu ne sais pas de quoi croire. Tu vas même comprendre. Tu vas même savoir que le diable me mène là. Ah! Dans le parfum précédent, ils ont écrit diabolique. Peut-être, toi tu vas dire, oh c'est diabolique déjà. Déjà tu vas voir ça, tu vas comprendre facilement. Mais, dans ce parfum qui est ici, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de... On ne voit pas d'écriture. Il n'y a pas de nom. Mais tu vois un signe, une image. Ça veut dire que le diable parle par des images. Les images, ça dit non sur le sujet. Il y a des parfums où vous voyez les lions. Vous voyez des serpents même sur le parfum. C'est pas là pour rien. Hein? Dis à ton ami qu'à côté, c'est pas là pour rien. Dis à ta soeur qu'à côté, c'est pas là pour rien. Fais attention. Tout parce que les gens sont là même pour rigoler avec vous. Vous vous trompez. C'est les satanistes sont parmi nous qui travaillent en plein temps pour le diable. Et eux sont prêts à tout pour amener les âmes en enfer. C'est-à-dire que tu achètes le parfum et le démon vient chez toi et il te dit que comme tu as le parfum, c'est que tu m'aimes et c'est que tu n'es pas à me suivre aussi en enfer et tu n'es pas à faire aussi tout ce que je te demande de faire. Ça peut paraître bizarre. C'est pourquoi toujours nous demandons à Dieu de nous délivrer de toutes ces choses de ce monde parce que vraiment, dans ce monde, il n'y a que du sale. Regardez ça. Un parfum crâne comme ça. Ah! C'est un crâne. Ah! C'est un crâne. Là, je deviens bien grand même. Regardez encore. Même moi-même, je vois ça même dans la voie de même. Je vais regarder le parfum, tu as dit. Toi là, c'est à moi tu parles. Parce que c'est un esprit qui est là. Ça veut dire que c'est un esprit. Les gens mettent les esprits, il faut la protection des démons. Même si c'est des ordinateurs, vous voyez même des démons, des animaux, des créatures, même des démons. Vous voyez les images des démons comme ça. C'est un ordinateur de vie. Les démons sont en train d'être honorés par la technologie d'aujourd'hui. Il y a des démons partout. Et surtout les ordinateurs de type gaming. Et là où on joue au jeu là. Là, c'est maintenant connu. Il y a même un ordinateur que j'ai vu. J'ai vu trois serpents. Les trois serpents ont une queue qui se coupe en un point. Et ça forme 666. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne voit ça. Quand vous appelez aux gens, ils vous disent vous là. Vous êtes un conspirationniste. Savez-vous, vous voyez toujours des problèmes partout. Mais ça là, mon ami. Mais si on dit tu ne vois pas clair, tu vois ça là, ça te dit rien. Mais on dit aveugle. Regarde encore. Est-ce que ça, tu kiffes ça? Quand tu aimes ça, faut aimer. Ça va aller. Regardez ça. Les gens kiffent ça. Hein? Ils aiment ça. Regardez. Un verre dans lequel se trouve carrément un crâne aussi. Et toi, tu vas boire de ce verre. Auras-tu même le courage même de le faire? Dis-le-moi. Auras-tu le courage de boire de tel verre? Imagine, tu arrives chez quelqu'un et la personne t'accueille tranquillement et cette personne te dit, tu sais que tu es un bon gars, non? Toi, tu te dis, oui, c'est un bon gars. Et la personne te dit, comme tu es un bon gars, attends, moi, je vais t'emmener un verre d'eau. Non, il ne va pas te dire un verre d'eau, il va te dire un verre, du vin.
du vin, vin, tu vas boire du vin. Écoute, je suis ton pote. Et il t'envoie un verre. Et à l'intérieur du verre, là, tu vois ça. Un cran d'abord. Maintenant, quand il met la bière juste là dans le verre, ça se transforme en ça. Un vrai crâne humain. J'ai un ami qui a écouté, les gens sont mauvais, les gens sont mauvais. Quand il veut nous dioguer, il veut nous donner la vie. Les gens sont du travail pour voir les hommes en enfer, ils sont faisés toute la blague. Regarde le monde et puis ce que tu vois, et puis toi, ouvre les yeux partout où tu vas. Quand tu vas acheter un truc, ouvre les yeux, faut bien regarder dans le supermarché. Tu vois, au supermarché, tu achètes une statue, tu la vois à la maison, tu es dans les problèmes. Peut-être que dans la prochaine vidéo, on en parlera. Que Dieu nous inspire, seulement nous donne la force. Nous travaillons dur, il faut nous encourager. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et surtout, changez. Et ouvrez les yeux un peu. Ça là. Même si toi, tu vois ça, tu te dis que c'est de la blague. C'est parce que tu n'aimes pas. C'est peut-être parce que tu regardes la vidéo, tu n'as jamais vu ça de la veille. Mais là, tu es sur le terrain et tu vas voir tout pareil. Je t'assure, mon frère, tu reviendras ici. Tu nous diras ton témoignage. Parce que tu as pu voir la chose de la même façon. Tu sauras automatiquement ce qui se passe. Et tu sauras que c'est le diable qui est en train d'attirer ton esprit comme ça. Fais attention et ne manque pas la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci pour un. Waouh, c'est extraordinaire. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Nous vous recommandons de faire le don via Wesley. Waouh! Merci beaucoup.